Bonjour à tous. On est très, très pressé de commencer cette Coupe du Monde. On l'attendait depuis un certain temps. On s'est préparé depuis l'Euro qu'on a gagné l'année dernière. Donc on arrive avec certaines ambitions. Et il nous tarde de démarrer la compétition demain contre le Honduras pour bien aborder la compétition. C'est le jour J, le premier match. Voilà, il faut l'aborder avec une grosse envie, une grosse générosité, beaucoup d'intention. Et comme je l'ai toujours dit, le football, ça se joue avec le cœur, ça se joue avec les jambes, mais ça se joue avec sa tête. On va présenter l'équipe du Honduras ce soir, après le dîner. Voilà, c'est un autre football, c'est un autre profil de joueur. C'est sud-américain, avec tout ce que ça représente en termes d'impact, en termes d'agressivité, en termes de générosité, de filouterie aussi, parce que là-dessus, ils sont très 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 forts. Donc voilà, il va falloir maîtriser tous ces éléments et puis rentrer, je dirais, sans état d'âme et en toute sérénité, on va dire, dans cette Coupe du Monde. Bon, on a fait ce qu'on a voulu faire, je dirais, pendant toute cette semaine. On a mis en place ce qu'on voulait mettre en place. J'ai senti des garçons concernés, j'ai senti des garçons impliqués. La journée de jeudi a été solide, les garçons ont répondu présents. Voilà, j'ai retrouvé les compétiteurs sur l'entraînement. Maintenant, la vérité, c'est le match. La vérité, c'est la compétition demain à 17h. Et c'est là qu'on va voir si dans leur tête, dans leurs jambes, dans leur cœur, ils sont prêts.